La région de Nyon est l'association de communes du district de Nyon, représentant un territoire de 307 km² qui accueille plus de 105 000 habitants. Depuis 20 ans, sa mission est de fédérer les communes pour réaliser des projets en faveur de la population et de l'économie. Fondé en 2004, le Conseil régional du district de Nyon poursuit les efforts qui ont été initiés depuis 1990 par l'ARN, l'Association pour l'aménagement de la région nyonnaise. Organe démocratique et d'intérêt public, il matérialise les synergies entre ville et village. En 2018, le Conseil régional devient la région de Nyon et change de visage. Alors que le district se redessine, de plus en plus de communes participent solidairement au développement régional. Au fil des ans, l'association agrandit son champ d'action et pose les fondements pour réaliser des projets d'envergure. Dans son aventure, la région connaît des réussites, mais aussi de nombreux défis à relever. Toujours avec une certitude, les communes sont plus fortes lorsqu'elles s'unissent. Aujourd'hui, la région de Nyon coordonne des projets intercommunaux dans 7 thématiques en veillant à assurer un développement équilibré ville-campagne et Jura-Lac. Ces démarches s'intègrent dans des stratégies territoriales plus vastes, comme le Grand Genève, auxquelles elle participe. En 20 ans, des projets d'envergure ont été menés en collaboration avec les communes et partenaires pour améliorer la qualité de vie dans notre district. La mise en place d'un réseau de transport public régional et des mesures pour favoriser la mobilité active. Des aménagements sur des sites touristiques et de loisirs pour valoriser notre territoire et soutenir l'économie. Des actions pour valoriser la production régionale ou encore préserver la biodiversité. De nombreux soutiens ont été attribués. Plus de 200 porteurs de projets artistiques distincts soutenus. Plus de 120 entreprises accompagnées chaque année dans leur recherche de locaux et terrains et dans la mise en place de mesures de mobilité. Près de 550 000 francs octroyés aux entreprises pour des projets d'innovation. Plus de 90 sportives et sportifs récompensés et soutenus dans leurs activités. Près de 100 millions de cofinancements accordés par la Confédération pour des projets d'aménagement au bénéfice de la mobilité dans le district. Les efforts se poursuivent en collaboration avec nos communes et partenaires. Nous les remercions de contribuer à l'aventure régionale.